Palapala. Effectivement, l'administration, parce que c'est nous qui avons établi ce titre-là. Que comment moi j'ai acheté 2 hectares, mais aujourd'hui vous avez établi un titre ici, 1 hectare et demi. Alors, après l'enquête du parquet, le parquet constatera que non, si c'est faux, bien sûr, tu as acheté 2 hectares, mais tu avais cédé ces 4 hectares à Soraya. C'est pourquoi il avait établi les 2 titres et on t'a remis. Il dit non. En compensant les pièces, il constatera que non, il y a un acte de cession qui est écrit au dossier, qu'il a renié sa signature, que non, lui ne signe pas comme ça. D'où ça a entraîné l'arrestation des géomètres qui avaient pu poser les actes et envoyer ici à Makala. Il a sollicité la correction. Nous sommes dit, bon, devant cette situation, on ne saura pas poser les actes parce que le dossier est en instruction au niveau du parquet général. Si il termine sur l'instruction, c'est alors que nous, on peut poser un acte quelconque. Alors, il s'est ressaisi, il a retiré sa plainte. Et c'est ce qui fait que le géomètre aussi sera relâché pour venir corriger, afin qu'on puisse lui rétablir ce droit de 2 hectares. Et chose est faite. Mais dans l'entretemps, il n'a pas nié la cession de Soraya. Il dirait que non, je n'ai pas cédé Soraya là où j'ai acheté chez Kipala. J'ai cédé à Soraya là où j'avais acheté chez Madame Monique Ibaza. Et vous devez régulariser et ma situation de 2 hectares et la situation de Soraya. Il y a des correspondances, il y a tout comme ça. Et c'est à l'occasion que nous, on a pu recevoir encore une fois dans notre office, entre guillemets, Massaro, qui vient réclamer et faire le suivi de cette procédure-là, tout en réclamant aussi que lui aussi il a bénéficié d'une cession auprès de Jamal. Donc ça fait maintenant 2 sessions sur la même pièce, en nous présentant les pièces que voilà, il nous a cédées. Alors, nous nous sommes dit au niveau de l'administration, après notre concertation, nous nous sommes dit non. Comme la première session, ça a causé un problème, et que M. Jamal ne reconnaît pas avoir cédé du côté de Kimpalapala. Il reconnaît de l'autre côté. Cette fois-ci, avant qu'on puisse régulariser, on va exiger la comparution personnelle de M. Jamal, qui puisse poser les actes devant nous à signer cette session-là, comme il reconnaît avoir cédé à Massaro et à Soraya, devant nous, et qu'on puisse faire de plus de photos pour que ça reste dans les dossiers. Parce qu'il y a un de notre agent qui a été victime la première fois quand on lui a arrêté, parce qu'il avait nié sa session. Chose qui a été faite, mais Massaro est venu, et c'est Massaro qui représentait les intérêts de Soraya. On a fait la prise de photos avec M. Jamal pour confirmer cette session pour le compte de Soraya et aussi pour son compte. C'est ce qui a fait que ce document-là a permis maintenant à l'administration d'annuler d'abord. On a rappelé tous ces certificats-là, on a dit annuler et on a établi les titres et les contrats au profit de Soraya, de Massaro, et les autres titres au profit de Jamal. Voilà dans la circonstance que j'ai confirmé que je connais Jamal et c'est dans ces conditions-là qu'on a pu établir tous ces titres-là. Merci. Une petite précision. Oui. Jamal lui-même était venu quand vous avez exigé que la session soit faite devant vous. Il était venu lui-même personnellement. Non, Jamal n'était pas venu. Comme c'était un dossier, après le retrait de la plainte au niveau du parquet général, et comme nous on avait posé cette condition, on a parlé à l'instruction du parquet général, malgré qu'on avait retiré que non, nous on ne peut pas signer sans la présence de Jamal. Alors, le parquet nous a dit, bon, Jamal est malade, c'est alors que Massaro est venu nous prendre pour partir notarier ces actes-là chez Jamal. Ah, vous êtes allé chez Jamal? J'ai mal, oui, oui. Okay. Et là, il a comparu devant vous. Et il a signé. Toutes les parties étaient là. Massaro, Jamal,
nous, il a comparu devant nous. Et Massaro, c'est lui qui représentait Soraya. C'est Massaro qui représentait Soraya et c'était confirmé par M. Jamal que c'est le représentant de Soraya. Donc, Jamal a confirmé que c'est Massaro qui représente Soraya dans cette situation. Oui, parce qu'ils ont posé même les actes devant nous, on a fait des prises de photos. Les actes là, c'est le contrat de cession. Et ils ont signé pour confirmer. Là, on s'est déplacé en qualité de notaire et on est rentré au bureau pour continuer la procédure. Bien, lorsque vous avez fini toutes les procédures et que les titres sont, ont été émis, oui. À qui vous avez remis ces titres? Bon, il y avait des étapes. Parce que, sincèrement, disons-nous la vérité, il y a eu des pressions. Des pressions qui venaient de par-ci par-là. Des pressions dans quel sens? Des pressions pour qu'on puisse finir rapidement le dossier. Venant de qui? Vous êtes devant la justice, vous devez dire la vérité. Il y a mon collègue de... Il y avait d'abord la pression de l'ANEC, qu'on n'est pas le directeur, de l'ANEC qui nous avait fait pression. Il y a mon collègue du cadastre, le chef de division du cadastre, Donia Kayemesha. Pardon? Mon collègue, à son temps, le chef de division du cadastre. Il s'appelle comment? Dona Kanyemesha. Dona Kanyemesha. Oui, oui. Oui. Qui m'avait dit, conservateur, fais vite de ce dossier. L'excellence m'a appelé qu'on puisse terminer vite le dossier. De quelle excellence? Notre excellence. Le ministre qui? Oui, oui, le ministre Moulendo. Ministre Moulendo? Oui, oui. Lui, c'est mon collègue. Pardon? Le cadastre. Oui, oui. Vous avez dit que le ministre Moulendo l'a appelé pour ce dossier qui oui, pour qu'on puisse terminer et qu'on puisse lui déposer le titre de Jamal. Okay. Alors, quand on a fini le titre de Jamal, j'ai remis au chef de division du cadastre, il a dit non, tu m'accompagnes. Ils m'ont accompagné pour aller déposer chez le ministre. Mais vous allez déposer le titre de Jamal chez le ministre Moulendo. On est parti pour déposer, mais le ministre n'était pas disponible selon le chef de division du cadastre. Oui. Parce que c'est lui qui avait les deux titres. Oui. Le ministre n'était pas disponible. Il a dit non, remettez à mon assistant. Alors le chef de division a remis à l'assistant du ministre. Là, c'est pour le compte de Jamal. Alors pour le compte de Soraya. De Soraya, c'est le chef de division du cadastre qui avait retiré le contrat pour aller déposer. C'est Kanyemesha. Kanyemesha. C'est lui qui avait retiré ce contrat. Oui, pour aller déposer. Pour aller donner Soraya. Alors, oui, oui. Pour le compte de Massaro qui est venu en retard, c'est lui-même qui avait retiré son contrat. Pour Massaro lui-même a retiré son auprès de vous. Non, non, c'est le service. Au secrétaire. Au niveau des services, oui, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui. D'après le récit que le conservateur vient de nous faire, le dossier a commencé avant que Jamal n'arrive. Il peut nous dire qui venait pour le compte de Jamal? Merci. S'il peut nous préciser les délégués de Jamal qui venaient pour toutes ces démarches-là, puisqu'à l'entendre parler, Jamal, d'ailleurs, nous n'est pas venu, ils sont allés vers lui. Est-ce qu'il était malade? Il était malade. Alors, est-ce qu'il peut nous dire celui qui venait pour le compte de Jamal? Ok. Non, non. D'abord, avant que Jamal tombe malade, lui-même venait au bureau pour le suivi du dossier. C'est quand il est tombé malade, c'est alors que... Vous allez faire... Le nom de Soraya, vous a été communiqué par qui? Pour que vous puissiez procéder à toute... À tous ces actes-là de cession. Le nom de Soraya, la cession-là de Soraya, en faveur de Soraya, son nom-là, vous avez été communiqué par qui? Par Massaro. C'est lui qui cède, c'est Jamal. C'est Jamal qui cède. Oui. Alors quand il cède, il ne donne pas le nom du bénéficiaire. Attention, non, non. S'il vous plaît. Et c'est le tribunal qui pose les questions. Effectivement, il n'a pas donné le nom de bénéficiaire lorsqu'il a cédé. Non, on a reçu dans notre office Massaro avec les pièces. Dans cette pièce-là, on dit acte de reconnaissance, là où on a inscrit le nom de Massaro et le nom de Soraya. Cette pièce-là. Oui. Alors, le porteur de pièce, c'est Massaro. C'est Massaro. Oui, et c'est avec lui que... Attendez, oui, c'est Massaro, vous avez dit qu'il est venu avec les pièces, les actes de cession. Mais lorsque vous avez reçu Jamal lui-même, oui, vous a-t-il confirmé avoir fait cette cession-là? Il nous a confirmé, même par le biais de son avocat, il y a dit dans le dossier toutes les correspondances confirmant que... Quel avocat, c'est qui?
avocat de Djama Bukolombe. Maître Bukolombe qui est là. Oui, oui. Ok. Merci. J'avais une question. Monsieur le Président, nous avons un certain nombre de préoccupations. Monsieur le conservateur, signale à votre tribunal l'intervention d'un avocat. J'ai sous les yeux la cote 2105 de votre dossier. Oui. Je ne sais pas si le confrère, quelle va être sa position déontologiquement. Nous en tirerons les conséquences. J'ai ici une correspondance du 28 novembre 2019. Correspondance signée pour M. Samy, son conseil maître de Colombie. Est-ce que s'agit-il de, notamment de ce courrier dont parle M. le conservateur? Oui. Monsieur Benet. Et je joins également l'acte de reconnaissance. Regardez, ce sont des pièces qui sont données. Monsieur le conservateur, prenez connaissance, il s'agit de ces courriers et de cet acte de reconnaissance dont vous parliez tout à l'heure. Monsieur le Président. Confirmez cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il y a une photo sur laquelle le conservateur est aperçu. C'est la cote 2092. De vos dossiers, oui. 2092 de vos dossiers. Est-ce qu'elle n'est pas très claire, ma photo? Monsieur le conservateur peut regarder pour nous dire s'il s'agit bien de cette photographie-là. La photo se trouve au dossier ici. Est-ce que vous confirmez cette pièce? C'est bien ça. C'est vous qui l'avez produite au passé. C'est bien ça. Peut-il dire sur cette photo, il est avec qui, précisément? Oui. À ma droite, je suis avec un agent de travail de M. Djamar. Devant à droite, c'est M. Djamar. Et à gauche, c'est M. Massaro. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le conservateur peut nous dire, au moment où il établit le certificat d'enregistrement, le fonds sur lequel il établit le titre, il est construit, bâti ou ce fonds est encore inculte? Vous pouvez répondre, Monsieur le Président. Le fonds est encore inculte. Le fonds est inculte? Oui. Monsieur le procureur veut... Non, pas encore, mais si le procureur général peut intervenir, je le laisse finir, je vais revenir. D'accord, merci. Le conservateur a parlé de deux sessions, en faveur de Soraya et en faveur de Massaro. Est-ce que le tribunal peut lui demander si ces sessions-là ont été faites à titre gratuit ou à titre onéreux? Ça, c'est la première question. Je vais en profiter pour qu'il puisse aussi répondre. Je vais m'asseoir. Vous donnerez peut-être la parole au prévenu Camero. Je vous en prie. Hier, le prévenu Camero a déclaré qu'il était intervenu pour annuler les constructions qui étaient faites sur un site vers Ngaliema. On parle de Ngaliema ici. Il y a un site que lui vous précise, le prévenu. L'interdiction avait porté sur le site dont il y a eu la session, ou c'était sur un autre site. Comme le conservateur est là, il pourra nous préciser à quoi avait trait l'interdiction de construire à laquelle le prévenu a fait allusion hier. Bien, merci. Monsieur le conservateur, répondez à la première question d'abord. Je n'ai pas bien saisi ça, Président. On n'a pas bien saisi la question. La première question. C'est-à-dire les sessions, c'était à titre gratuit ou à titre onéreux. Voilà.
entre la session entre Jamal, entre Jamal et Souraya et Massaro. C'était à titre gratuit ou à titre honoré? Bon, à ma présence, je n'ai pas vu la transaction d'argent entre Souraya, entre Massaro et Jamal. Je n'ai pas vu l'argent. Donc c'était à titre gratuit? Gratuit. Ok. Non, il faudrait que... Non, la deuxième question est adressée au prévenir Kamere. Oui, c'est juste qu'il précise l'interdiction dont il a parlé hier, comme ça le conservateur pourra nous fixer. Vous avez fait allusion à une interdiction que vous aviez, je crois, faite. Non, merci beaucoup, votre honneur. De délivrer des titres sur... Avec tout le respect que je dois au procureur, je ne voulais pas qu'il puisse m'aider à répondre. Je suis parti au procès. Les choses ont été dites sur ma fille. Et je donne donc le droit, puisque la citation a prévenu, on est lié à cette affaire. Donc il ne peut pas me dire qu'il se limite juste à dire ça. Pourquoi? Laissez-moi parler, je voudrais éclairer le tribunal. Nous avons suivi M. Kilangalanga. Il se souviendra très bien qu'à la suite du désordre que nous avions constaté dans le secteur des affaires foncières, le seul ministre que le président de la République avait suspendu, c'était le ministre des Affaires foncières. Il ne va pas me démentir. Et parmi les raisons, il y avait le désordre sur la baie d'Engaliema. La baie d'Engaliema, depuis le président Kabila, depuis 1960, est déclarée zone non édificandi. Il est conservateur des titres immobiliers, il est censé le savoir. Ça signifie qu'on ne peut pas y ériger des maisons. Ça, c'est un. M. Kilangalanga dit que c'était 2 hectares, puis on a donné un morceau de 1 hectare et demi. Non, vous avez déjà répondu. Je n'ai pas répondu, votre honneur. S'il vous plaît. Non, la situation, la section est tellement sérieuse. Je vous demande votre... Revenez, Kamere. Ce n'est pas un discours que vous faites. Vous répondez aux questions. Je crois que vous avez répondu à la question que l'interdiction a été faite sur la baie d'Engaliema et qu'on ne pouvait pas délivrer les documents sur la baie d'Engaliema. Vous avez répondu à la question. Attendez, vous aurez la parole pour... Faites des réactions. Non, d'accord. Je voudrais être précis avec le procureur et qu'il n'y ait pas de tricherie ici. Je suis honnête. Merci. La lettre ici, l'interdiction sur le Bengalema, c'est depuis 1960, relayée par le président Kabila, et lui, il le sait très bien. Oui. Mais quand on a commencé à construire sur la même Bengalema, il sait très bien qu'elle s'étend de l'endroit derrière chez le Premier ministre, le président du Premier ministre, jusque du côté de l'hôpital de la Rive, tout ça c'est Bengalema. Okay. Et donc, quand on a commencé à construire des maisons, à côté de la clôture du président de la République, ça devait être sérieux. C'est comme ça que j'avais écrit cette lettre pour que toutes ces maisons soient détruites. En date du 25 avril 2001. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir. 2019. Ok. C'est au niveau de la photocopie, ça c'est bien. Merci. Bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à... C'est par rapport à... Pardon ? Non, c'est-à-dire, c'est le conservateur qui nous précise... Qu'il réagisse par rapport à ça, parce que ici, on parle de Bengaliema, mais physiquement, nous ne savons pas c'est où. Hein, par rapport à toutes ces interdictions qu'on nous brandit, qui nous précise ici cette session-là a porté sur un terrain ou un site où il était interdit de construire. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je pense que si nous parlons de l'administration, dans mon secrétariat, je n'ai aucune correspondance qui nous introduit d'établir les titres là-bas, ça c'est un. Parce que nous, on est régis, nous sommes des fonctionnaires de l'État, nous dépendons du secrétaire général et du ministre des Affaires foncières. Je n'ai aucune correspondance. Les sites en question, peut-être il faut faire un tour, les gens y habitent. Et maman Monique, qui aujourd'hui qui avait cédé à papa Jamal, à Jamal plutôt, et Jamal à son tour a cédé à Souraya et à Massaro, ils y habitent depuis très longtemps. Et ils sont là. D'ailleurs, leur papa fut le chef du quartier de
Bassoko. Effectivement, il y a les baies de Ngaliema, il y a des baies de Ngaliema, il y a des secteurs. Il y a des secteurs là où c'est encore inculte et ce n'est pas occupé. Mais en ce qui concerne l'accession ici de Djamal avec Massaro et consorts, c'est la partie sédente sont là, ils y habitent, ils sont dans leur maison. Ils avaient un certificat d'enregistrement depuis de longtemps. Le tournant voudrait faire revenir à la barre le provenu Djamal. Je veux revenir à provenu Djamal. Venez de suivre le conservateur Kilangalanga. J'ai entendu bien. Vous avez bien suivi. Est-ce que vous confirmez ce qu'il vient de dire? Oui. Pardon? Est-ce que vous confirmez ce que le conservateur vient de dire? 1000% non. Pardon? 1000% non. Vous ne confirmez pas? D'abord, je vais parler. Oui. Ils ont omis mon signature à la CADAS. Oui. Pour donner, madame, je ne sais pas qui, je ne vois pas clair. Oui. Pardon. J'ai accusé tous les responsables à la CADAS au parquet général. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? J'arrive, s'il vous plaît. Lui, il a fait attendre avec grand respect. Attends-moi, avec. Voilà les faux usages, les faux, et le marqué Smith au Bala Djamal. Moi, je suis ami au Bala Djamal. Ils ont marqué Soraya, je ne sais pas quoi. Ce qui passait, je te confirme toujours. D'abord, j'ai accusé tout le monde. Ils ont parti au parquet. Après, à cause de lui, c'était un ami. J'ai fait beaucoup d'opérations avec lui pour les cadastres, etc., etc. J'ai tiré mon plein. Tu comprends? Voilà. Ils ont fait faux usage de moi. Oui, mais après ça arrive. Est-ce après que ça. Vous... Moi, je connais le nom Daniel. Je ne connais pas... comment s'appelle l'autre? Massaro. Je ne le connais pas. Je vous l'ai expliqué depuis longtemps. Daniel, c'est un grand ami, mon enfant. On fait des opérations avec lui. Beaucoup d'opérations. Elle est venue. Tu me comprends? Elle est achetée. 7 mètres. À peu près 700 mètres. Moi, je ne vais pas vous vendre mon marchand, le terrain. Elle est achetée avec Mama Monique 700 mètres pour à peu près 20 000 dollars. Tu me comprends? Ça, il a payé. Tu comprends? Parce que, voilà. Maintenant, lui, il fait grandir. Parce que les 50 mètres, à peu près 70 mètres sur... c'était 7 000 mètres sur 100. Ça fait 7 000 mètres. J'ai vendu ça, je ne le connais même pas Soraya, je ne le connais même pas, je ne le vois pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. J'ai fait acte de cession ou bien acte de vente pour Daniel. Tu me comprends? C'est ça que je vous dis, je te confirme, j'ai donné ça cadeau. Mais l'autre, il a payé 20 000 dollars pour Baba, Mama Monique, même femme. Ok, voilà. Merci. Voilà. 20 000 dollars, il a payé, mais l'autre, moi-même, je donne gratuit. Daniel, je ne connais même pas Soraya, je ne vois pas même Soraya. Dieu témoin. Okay. Dieu témoin, Dieu témoin. D'accord. Je voudrais que Maître Bokulumba intervienne pour confirmer ou infirmer la teneur de sa lettre à laquelle vous avez fait allusion, que le conservateur dit avoir reçu. Il nous dit, s'il confirme, il est de toute façon une copie au dossier. Donnez-lui qu'il nous dise, donnez à Maître Bokulumba, il nous dit s'il confirme pas cette correspondance. Monsieur le Président, j'ai oublié... Attendez, le tribunal a déjà posé la question, il va répondre d'abord. Permettez, Monsieur le Président, parce que Maître Bokulumba est dépositaire de secret. Non, s'il confirme, parce que c'est une pièce qui est au dossier. Je vous en prie. Sans en matière pénale. Je vous en prie. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais qu'il soit d'abord acté que l'avocat pose des actes au nom de son client et qu'il n'engage pas sa responsabilité personnelle. Donc, cette lettre... La plume est mienne,
mais c'est au nom et pour le compte de M. Sami Jamal. Merci. Merci, le président. Non, attendez. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y. Maman, moi je crois que Soraya, excusez-moi, les femmes de Daniel, je crois que ou bien sa mère ou bien sa cousine. Vous avez laissé votre marchandise, presque 500 conteneurs pour 57 millions de dollars. J'arrive, s'il vous plaît. On a déjà, non, on n'en est pas là, s'il vous plaît. Avec grand respect. Non, on n'en est pas là, il ne faut pas. Je suis vendeur de terrains, j'achète des terrains, je donne cadeau aux gens. Vous avez beaucoup d'opérations. Ok, d'accord. On évolue, je pense que. Je pense qu'on doit évoluer un tout petit peu. Parce que les déclarations qu'il a faites sont constantes, les réactions sont actées. Je voudrais qu'on évolue. Et pour ce faire, comme je l'ai dit dans mon nom introductif, je voudrais qu'on le garde, on fait venir le ministre, on lui pose des questions qui le concernent, on le libère, et puis après, on va faire intervenir ceux qui sont intéressés dans cette. Dans cette histoire, notamment Soraya et Daniel, qui sont là. Laissez-nous dans votre plaisir. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Le conservateur vous a expliqué. Il a eu à recevoir M. Daniel, qui en même temps a eu à représenter Madame ou Mademoiselle Soraya. Oui. Votre honneur, nous savons tous qu'en cette matière, la représentation ne se fait pas sur base d'une simple déclaration. Peut-il nous dire, ça c'est la première question, si M. Massaro s'est présenté avec une procuration d'IMA signée par Mme Soraya, parce que notre client avait dit ne pas connaître Mme Soraya. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, notarié ou légalisé, deuxième question. Non, attendez qu'il réponde d'abord. Sinon, il ne saura pas vous répondre. Vous allez encore revenir. Je vous en prie, votre. Allez-y, monsieur le conseiller. Merci beaucoup, président, pour la parole. Je venais de dire ici, Soraya s'est présenté, et non, Massaro s'est présenté avec les pièces du dossier dans lesquelles il y a son nom et le nom de Soraya. Ça, c'est des 1. Et des 2. L'acte de reconnaissance, l'acte là, le soubassement qui se trouve ici dans les dossiers qu'on m'a présenté ici. Devant, monsieur, parce que c'est une acquisition, il n'est pas en train d'aliéner, c'est une acquisition. Alors, devant cette situation, on voulait confirmer comme il n'était pas porté, tel qu'il vient de dire, des mandats, mais il y a la pièce du dossier. Là où se trouve le nom de Soraya et le nom de Massaro lui-même. Alors, la partie cédante n'a pas nié devant l'administration pour dire que non, là, celui-là, je ne le reconnais pas comme le représentant de Soraya. Mais ils ont signé les actes devant moi et ils ont signé. On a fait la prise de photos. Est-ce qu'on pouvait encore douter, à moins qu'ils puissent venir compléter ça après. Merci. Votre nom, nous retenons qu'il s'agit d'une stipulation pour autrui. Mais ce sont des considérations. Bien entendu, nous sommes en train de faire des observations. Vous les avez déjà. Oui, mais on fait des observations pour que cela soit acté aussi par le greffier. Non, ce qui est acté. La deuxième question qui va dans le même ordre d'idée carrément. Oui. Puisque le retrait de ces documents a été fait par une tierce personne aussi. Le conservateur peut nous dire quel est le document présenté par son collègue pour retirer un tel document au nom et pour le compte de quelqu'un d'autre. Oui, par... Il avait signé le nom, et c'était le nom chef de division du cadastre. Voilà. Oui, était-il porteur d'une procuration? C'est ça la question, hein, Claire? Oui, oui. Était-il porteur d'une procuration pour que vous le mettiez? Ce n'est pas le conservateur qui remet, monsieur le président. C'est un circuit administratif. C'est un circuit administratif. Lui, il est chef de division du cadastre, Galiema. Et c'est lui qui s'occupe de tous les dossiers de cette famille-là. Et c'est lui qui suivait. C'est lui qui m'a dit. Quelle famille? On m'a appelé. La famille de Soraya?
Hein? C'est lui qui s'occupe de Dona Kanimeche, c'est lui qui s'occupe de tous les dossiers. Et c'est lui qui suivait même dans l'administration. Quand le conservateur signe, on ne retire pas les titres chez les conservateurs. Je pense que nous sommes des praticiens d'affaires foncières. On ne retire pas auprès du conservateur. Il y a des services attitrés. Ok, merci. Donc on a ce service attitré, nous savons que c'est le service du conservateur. J'ai dit votre nom. Merci beaucoup. On fait venir, je crois que... Pourquoi vous voulez qu'on fasse venir le ministre? Lui, on ne les libère pas. On fait venir le ministre compte tenu de ses charges. Attendez. On nous appelle le ministre Sakombe. Et puis après, nous allons revenir. Les conservateurs vous attendent. Je garde ma question. Oui, vous gardez votre question. Parce qu'il ne va pas parler. Vous pouvez rester là en attendant que le ministre Sakombe vienne. Excellence, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien vous-même. Merci. Merci. C'est M. Sakombe Molengo. Oui. Vous pouvez décliner toute votre identité. Dites-nous où? Le docteur, de la mère, vos origines. Etc. Oui. Aimé Sakombe Molengo, né le 2 mai 1972 à Kinshasa. Bosombongi, territoire à Lissala, secteur Ngombe Mobangi, province de la Mandala. Le nom des parents? Dominique Sakombe Molengo, décédé. Monique Kandolo Okuna, vivante. Mariée, père de 3 enfants. Vous êtes ministre des Affaires foncières? Oui. Vous avez une particulière relation avec une des parties ici? Oui, je connais le directeur de cabinet, c'est le chef de mon parti. Ah, il est le chef de votre parti? Oui. Ok. Alors, nous allons attendre, je crois que nous allons vous entendre à titre de renseignement, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans un même parti politique, vous êtes le chef de son parti, donc on peut l'entendre à titre de renseignement. Oui. N'est-ce pas, maître, vous êtes d'accord avec nous? Oui, oui. Disons que le ministre sera entendu à titre de renseignement. Non, mais il est dans un même parti politique avec le prévenu Kamerès. Ça nous a quand même étonné. Ça nous a quand même étonné que de tous les témoins qui sont passés, c'est la première fois que le tribunal prend l'initiative de poser la question aux témoins s'il a des relations particulières avec le parti. C'est la première fois. Maître, vous savez, excusez-moi, président. Attendez, excusez-moi. Des insinuations inutiles. Le tribunal a amené les pièces du dossier. Le tribunal a amené les pièces du dossier. C'est pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Mais vous savez, tout ce qui est prévu là dans le code de procédure, l'objectif c'est arriver à une meilleure administration de la justice. C'est tout. Un témoin qu'il soit entendu à titre de renseignement. Votre honneur, s'il vous plaît. Vous, vous avez posé la question à tout le monde ici concernant tous les témoins. Sur 2 témoins, je vous ai dit que j'ai 2 témoins. Le premier, non seulement j'avais des relations tribales
nous sommes du même coin, mais j'ai dit qu'il était président de mon groupe parlementaire, c'est-à-dire de l'INC. Les deux, ça c'est l'étatuaire. Le deuxième, j'ai dit que Pierre était un ami de plus de 30 ans. Et il était au gouvernement au nom de l'INC. Mais malgré ça... Mais je souhaiterais vraiment que les avocats vous expliquent ce que ça signifie. Non, je répète seulement quand Mais parce que vous semblez dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas bien. Je m'incline votre Ce n'est pas bien. N'allez pas sous ce... Je m'incline votre Vous ne maîtrisez pas. Je vous dis que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte tenu des liens que vous avez, vous êtes le président de son parti, mais on le donne à titre de... Votre épouse sera entendue à titre de renseignement. Votre fille sera entendue à titre de renseignement. Donc c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et j'en appelle aux avocats pour qu'ils vous expliquent ces choses. Je m'excuse, je vous en prie. Ce n'était pas de vous énerver. Non, je ne peux pas m'énerver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Bien. Son Excellence sera entendu à titre de simple renseignement. Excellence. Oui, votre honneur. Nous allons droit au but. Êtes-vous intervenu d'une quelconque manière dans le dossier relatif à la cession qui serait intervenue? Cession immobilière, bien sûr, qui serait intervenue entre M. Jamal et Mme Soraya Mpiana, même Daniel Massao? Pas du tout. N'est pas intervenu. Pas du tout. Ce n'est pas mon rôle comme ministre. Mais il nous revient de la déposition faite par le conservateur de l'époque de Maliema que vous aurez demandé à monsieur, vous aurez demandé que le titre de Soraya, si je m'abuse, hein, je viendrai pour corriger. Vous aurez demandé que le titre de Soraya soit remis à votre assistant. Jamais. Je n'ai jamais demandé le titre de Soraya. J'ai fait venir les deux titres de M. Jamal. Vous avez fait venir les titres de M. Jamal? Les titres de M. Jamal. Je n'ai jamais vu le titre de Soraya. Ok. Voilà. Pourquoi vous avez fait venir les titres de Jamal? Voilà. Alors, j'aimerais éclairer le tribunal. Donc, je vais expliquer le contexte. J'ai fait la remise et reprise le 10 septembre 2019. 15 jours après, je termine l'état des lieux. Les affaires foncières. Mon dossier est prêt. Je sollicite et j'obtiens un rendez-vous avec le chef de l'État, président de la République. Pendant notre séance de travail, nous passons en revue tous les problèmes fonciers du pays. Il me donne ses orientations, ses instructions. Ensuite, il me dit, voilà, monsieur le ministre, monsieur X, promoteur du projet de la corniche de Kinshasa, est venu me voir pour me présenter son projet. Comme c'était un projet qui avait été adopté en Conseil des ministres par le gouvernement passé, et au nom de la continuité de l'État, il faut le finaliser. Faites-moi un rapport sur ce projet. C'est ainsi que le 30 septembre, je signerai un arrêté concernant la baie de Maliema pour faire l'évaluation du projet corniche de Kinshasa. Avec deux délégués de la présidence, deux délégués de mon cabinet, deux délégués du secrétariat général de l'administration française, deux délégués de l'hôtel de ville, deux délégués de la société qui a le marché, et enfin deux délégués de la RVF, la régie de voies fluviales. Et ils ont commencé le travail. C'est ainsi que cette commission, quand elle a été mise sur pied, moi je me suis déchargé de tout ce qui concernait la baie de Maliema. Surtout que mon prédécesseur avait été suspendu à cause de cette baie de Maliema. Donc moi, j'avais les deux yeux. Alors, j'ai eu un balai incessant de concessionnaires qui venaient me voir, voilà, on va vous exproprier et tout ça. Moi, je dis, allez verser tous vos dossiers à la commission. Début décembre, Maître Bocolombo, il est là,
rien ne va de la part de M. Tamal. On dit voilà, nous avons un problème. M. Tamal avait fait annuler les deux titres, les deux certificats à l'office du procureur. Hein? Il voudrait maintenant rétablir de nouveau et le conservateur n'a pas l'air de marcher. Moi, je lui dis. Je regarde, je vois que le conservateur a respecté mes instructions, il est resté dans le même fond initial, j'ai fait libérer le dossier. Voilà en quoi je suis intervenu dans cette affaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des préoccupations que vous auriez bien voulu voir être rencontrées par son Excellence? Quelques petites préoccupations, Monsieur le Président, si votre tribunal nous l'autorise. Merci. Monsieur le Ministre, nous sommes en possession de plusieurs titres de propriété du prévenu Caméré sur plusieurs fonds et propriétés détenus en originaux, s'il vous plaît, par M. Dona Kanyemesha, qui se trouverait être chef de division dans la grande administration foncière que vous avez la charge de diriger. Vous pourriez confirmer devant votre tribunal si vous avez un chef de division qui répond au nom de Kanyemi Chadona. Affirmatif. Merci. Merci, monsieur le ministre. Une deuxième petite question. Oui. Monsieur Kanyemi Chadona a été entendu. Et il ressort de sa déposition que les titres de M. Jamal, comme le contrat établi au nom de Mademoiselle Soraya, lui ont été remis et qu'il était lui chargé d'honneur de remettre à votre assistant les titres au Congo Fleuve Hôtel. J'ai cru entendre que vous aviez confirmé devant le tribunal avoir effectivement reçu les titres de main de votre assistant. Les deux titres de Jamal, je n'ai jamais reçu. Les deux titres de Jamal, voilà. Effectivement. Tout à fait. L'autre question, monsieur le ministre, à cette occasion... Excellence, adressez-vous à nous. Merci. Vous n'avez pas l'impression que vous posez directement les questions aux témoins. Adressez-vous au tribunal. Mes excuses, monsieur le président. À l'occasion de la remise des titres de Jamal, est-ce que monsieur le ministre peut nous dire si, à tout hasard, il lui a été parlé de contrat détenu par le chef de division et établi au nom de Mademoiselle Soraya? Pas du tout. Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions. Merci. Est-ce que vous avez des préoccupations que vous auriez bien souhaité
été rencontré par son excellence pour venir quand même. Merci beaucoup, votre honneur. La question de ma fille et de cette parcelle, c'est la plus facile de ce procès. C'est pièce contre pièce. Pas de paroles. Ce que j'ai entendu ici, le conservateur, c'est très grave qu'au niveau du président du tribunal, on ait laissé passer cela comme si c'était une accusation mineure. Quand le conservateur des titres immobiliers dit qu'il a subi des pressions de l'ANR, c'est quand même notre série d'intelligence. Il veut dire que ça soit acté et il doit dire c'est qui de l'ANR exactement. Ça c'est le 1. Le 2, le conservateur des titres immobiliers émet un titre. Et le titre circule sur Internet le 23 janvier 2019. Et c'est un titre que moi je connaissais. Et Donna Kanyemecha, justement dont vient de parler l'avocat de la République, vient me confirmer cela. Il dit non, non, il y a un titre, chef. Je dis non, non, non. Ma fille n'est pas bénéficiée de quoi que ce soit. Non, vous n'êtes pas. Vous avez... non, non, c'est pour continuer. Bon, alors j'ai pris. Au niveau du ministre, il n'y a qu'une seule question à clarifier. Pour le reste, c'est lui le ministre des titels. C'est lui le ministre des titels. D'abord, un, puisqu'ils sont conservateurs, pour être conservateur des titres immobiliers, il faut maîtriser la loi foncière. Est-ce que le ministre considère qu'on ne pouvait pas ériger là-bas depuis 1960 des maisons d'habitation? Si la Bélingalema, ça c'est le un. De deux, les deux certificats dont il parle, pour que confusion ne reste pas dans la tête des gens, est-ce que ce sont des certificats dont l'un porte le nom de Jamal et l'autre porte le nom de Soraya? Je voudrais être fixé là-dessus pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre. Oui, votre honneur, je confirme que la baie de Ngaliema n'a pas été construite avec les normes urbanistiques, parce que c'est un terrain marécageux. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons exproprier et indemniser tout le monde pour pouvoir faire un projet qu'on va appeler corniche. Donc c'est effectivement une zone non édificante. Je parle ici surtout de l'épicentre géographique du projet, qui est de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chané. Effectivement. Mais pourquoi vous acceptez qu'on délivre des titres sur... Non, je vous ai expliqué. C'est-à-dire, dès lors que j'avais créé la commission, je ne pouvais plus commencer à faire annuler des titres. C'est-à-dire, je m'étais déporté. Ça revenait à la commission de faire ça. Je ne pouvais pas me substituer à la commission que j'avais moi-même créée. C'est pour ça que la commission a terminé d'ailleurs son travail au moment où je parle, et le dossier est sous la table du Premier ministre, copie au chef de l'État. Pour la deuxième question, il s'agit effectivement de deux titres de M. Jamal. Deux titres, un hectare, et je voulais voir s'il n'y avait pas débordement, donc attribution du nouveau temps. J'ai répondu tout à l'heure. Merci. Voilà, merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter un éclaircissement sur base de pièces, oui. Et puis poser une petite question à M. le ministre. Allez-y, mais. Par rapport aux deux certificats, je voudrais apporter cet éclaircissement. Dans les deux certificats qui ont été emmenés auprès de M. le ministre, il n'y avait aucun certificat au nom de Mademoiselle Soraya. Non. Mais il l'a dit, il l'a dit. Mais... J'en viens, j'en viens. Parce que j'ai les deux certificats. Il l'a dit, il l'a dit. Question. Je voudrais d'abord expliciter pourquoi ces deux certificats sont allés chez lui, contrairement au conservateur. Non, non, il l'a déjà dit lui-même très clairement. Il l'a dit clairement. Je voudrais que vous posiez une question. Merci bien. Monsieur le ministre, la
c'est pour l'intérêt de la défense. La défense voudrait savoir, lorsque, par le tribunal, bien entendu, lorsque vous avez rappelé les deux certificats pour vérifier si effectivement les deux parcelles sont restées dans les limites, après, vous pourriez éclairer au tribunal par quel mécanisme ces deux certificats ont été remis entre les mains de M. Jamal. Oui, merci. Ce jour-là, effectivement, j'avais conférence à l'hôtel du fleuve. Oui. Donc c'est une de mes assistantes qui avait réceptionné les deux certificats. Le lendemain, quand j'ai analysé et vérifié ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai remis à la même assistante, au secrétariat, pour dire, vous pouvez libérer M. Jamal. Donc c'est votre assistante qui a donné à M. Jamal. C'est clair, la réponse est claire. Voilà. Bien, est-ce qu'on ne peut pas libérer son Excellence? Je pense que ses interventions sont claires. Merci. Excellence, merci pour votre question. Merci. Merci. Alors, le tribunal voudrait faire venir M. Changaloum Massaro. On nous amène M. Changaloum Massaro. Non, 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 il reste là, le conservateur. Il reste, on a besoin de lui encore. Qu'on entende M. Changaloum et on pourra le confronter. Nous voudrions, avant d'accéder, vous poser quelques questions, des précisions. Pardon? Nous voudrions que le tribunal pose quelques questions de précision. À qui? Au conservateur Kilangalang. Non, non, attendez, on va revenir à lui. On va revenir à lui. Attendez, qui? Kilangalang? Il est là, non? Il m'a demandé d'attendre. On amène Chambaloum et puis il va Changaloum Kingi Daniel Massaro. Changaloum Kingi Daniel Massaro. Eh bien, vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Kingi Changaloum Etienne. Qui est en vie décédé? Décédé. Décédé et bien. Et de Njabuka Moulangala Stéphanie, décédé également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis du site Kivu, village de Walungu, territoire de Nyoshi. Très bien. Votre état civil? Je suis marié à madame Missoline Nkingi Tina, le père de trois enfants. Ok. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas, discrètement, pour que les chiffres dites à la maman votre adresse. Va voir après.
bien, il nous revient que M. Sangaloume est parent au prévenu Kamiri. Donc, il va falloir qu'on l'attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici présent? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions, à votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est quoi, vous voulez parler de quoi? Vous pouvez permettre de lire. Oui, oui. Je peux. Oui, dites-moi ce que vous demandez. Quel est le préalable? Monsieur le Président, je vous écris. Monsieur Changalou Menkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale de Makala. À Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa Gombe. Objet. Motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26-931-RMP-PG-023-B-LOUC-2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26-931 pour la date de ce jour et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 27-18-PG-023-B-CAM-GLM-2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, je prie d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, c'est le... Ma présente requête est conformément à l'article 19, alinéa 4 de la Constitution. Je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, oui. L'expression... C'est l'eau constricte, oui, n'est pas bandier ma question. Tif. Et attends, c'est-tu qu'à Bajéko? Ah, et attends, c'est... Place ma rambo, combien de langues, vous? Est-ce que tu m'en permets ça? Thank you, maman. Non, il va boire qui ça. Il va boire qui ça? Où est-ce que tu penses? Après vous, ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge des différentes personnes ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir un avocat parce que justement, il n'est pas poursuivi. Il n'y a pas de droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point que vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites « je ne connais rien ». Vous répondez. Merci. Vous répondrez aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci, Monsieur le Président. Et puis de trois,
des droits, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. Il ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. Il ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi, soyez apaisés, hein, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez. Je connais M. Jamal. Je connais. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à Sonas. M. Jamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la Sonas, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la Sonas, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la Sonas, ceux qui connaissent bien la Sonas toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux pour partout à Kinshasa pour chercher des clients afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches des différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas monsieur, la famille Jamal, à travers ses enfants, okay. Et qui, généralement, je leur ai demandé, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à papa. Non, pas à lui, oui. Aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut vous quand même... Connaissez, vous connaissez. On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, oui. Très bien. Et tu vois, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Les droits au bout, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. La question, c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, M. le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qu'il vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce que qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent qui m'a, que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous avez demandé de jurer
de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas subi cet exercice, sinon aussi j'allais gérer. Vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, président, oui, ça vient de moi, Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute. Et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, maintenant, je voudrais un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez le conservateur pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, monsieur le président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez monsieur Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi j'ai dit la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à monsieur Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ces documents des actes de vente. Bien, mais le conservateur a établi le titre aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, monsieur le président. J'ai lu ceci. Après avoir signé ces documents ici, oui, j'ai demandé, monsieur Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé avec celui auprès de qui il avait acheté, il devait encore faire une nouvelle. Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandiez, elle n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus, jamais, jamais. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Mais tout le monde voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné le centre de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain, je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans les allées de la présidence? Oui, monsieur le président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la nation, cette photo n'est pas dans le bureau, c'est vers la pelouse là, à la sortie. Moi, je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception
du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres. Il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre les conservateurs. Non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais que les conservateurs reviennent. Conservateurs qui langalanga qui reviennent ici. Oui, monsieur le procureur. Oui, madame Massaro. Venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de président Massaro, c'est de savoir si il n'y a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Okay. Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, merci, pourquoi devait-il une deuxième mention que Jamal ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à M. Jamal. Okay. Maintenant, quand M. Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser qui à Kinshasa ici peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de cadeau? Mais pourquoi vous n'avez pas la question de procureur, donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher. Je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, où était ce problème? Je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tribunal voudrait savoir, revenir à la question du procureur, est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Le nom de Jamal? Non, une autre. Mais je travaille depuis, j'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Mincey. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un, quelque chose en passe. Vous confirmez avoir donné? Oui, j'ai mon petit bien. Merci. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit, le nom qui m'est venu en tête, c'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Qu'il se soit appelé. Oui, non entendu. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Parti civil, avez-vous des questions à faire poser au témoin Daniel? Me donnant mandat pour le compte de Souraya de représenter ses intérêts à lui, parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, monsieur le président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique? Je n'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même.
Il est là, il vous a présenté la pièce, porteur des pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Soraya. C'est lui-même qui a dit. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède, il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquéreuse, il représente Soraya, il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça, à moins que s'il y avait un conflit, peut-être? Bien, je te viens apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Non, mais la parole est déjà à votre confrère, non? Attendez. Oui, maître Kabila. Monsieur le Président, oui. Je suis étonné de la réponse du conservateur. En matière immobilière, un acte sous sein privé ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement de titres. Nous notons que l'heureux établi certificat sur des terrains nus. Nous devons s'expliquer quels étaient les soubassements juridiques. Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi? Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Et à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Et nous, nous avons noté. Est-ce l'impression était qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir pour charger Vital Kamerhe? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai réussi des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit j'ai réussi de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça, c'est de la personne que j'avais dit, quand mon chef retire les dossiers, il dit j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'est une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai raconté. Oui, mais ça par rapport aux préoccupations là, juridiques, il a dit, l'avocat a soulevé comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit d'un... Ah, oui, et Jamal, c'était un opérateur économique. Jamal, c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais conseiller, parce que les banques ces derniers temps, ils acceptent ça. Et même c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur établit les titres. C'est dans ce cadre juridique-là qu'on a pu l'établir. Ok, on va apprécier. Non, nous ne sommes pas chefs, nous ajoutons une question. Oui, vous allez, pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur des titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certificats d'enseignement sur un terrain nu, sans procès-verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine certificat d'enseignement. Je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve juste dans les dossiers. De 1 hectare, 1 hectare. Après, ils ont sollicité les titres de propriété tels que je viens de vous évoquer ici dans les codes d'investissement. Et devant ça, vous savez qu'il y a eu blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il fallait pas être, il fallait l'aider comme vous, il a fait des morcellements. Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les sous-bassements qui nous a permis d'établir le titre au profit de Jama, étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires, et c'est dans ce sens-là qu'on a pu établir le titre. Merci, mais je crois que ce sont des dernières questions. Vous ne répondez pas pour Jamal. Pardon? Vous ne répondez pas pour Jamal. Oui.
par rapport à Soraya, la loi dit que la mutation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à la mutation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certain nombre d'arrangements. C'est un contrat de location parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Jamar et Massaro ont pu signer devant moi, c'était les contrats de cession et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une mutation de droits, c'est un transfert de droits parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur Batoni. Oui, merci, Batoni, monsieur le président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question au conservateur. Il est conservateur de types immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes conservateur? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, seulement 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais qu'il. La question suivante. En 4 ans, combien de fois il a dressé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne, sans procuration. Combien de fois? Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et le porteur, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un titre, un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration pour son fils? Vous allez en tirer les conséquences. Oui, mais... La toute dernière question, monsieur le président, je crois que nous tirons les conséquences de tout ça. Mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains mis, 1 hectare, il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Mais je ne saurais pas par rapport. Monsieur Sangaloumé peut dire au tribunal si il est arrivé une seule fois ou deux d'emmener mademoiselle Soraya Mpiana auprès de monsieur Jamal. Merci. Vous avez suivi, non? Oui, je suis clair. Je n'ai jamais, alors jamais, amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Et tu voudrais faire venir Soraya, parce que où qu'on évolue, on l'a fait venir, on lui pose quelques questions et puis... C'est pour votre honneur. Sinon... Votre indigence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport... de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100, signé par le chef de bureau d'enregistrement et, je crois, matériel, je ne sais pas comment vous le dites, Kindangu Vula Belarmine. Et dans, il ressort de ce rapport, ici, que vous aviez vous-même, là, au niveau des services, annulé le certificat de ma fille Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pour
Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis, d'abord la première tentative du 23 janvier 2019, j'ai rebondi. Ils ont annulé et puis pour venir après nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de question. Oui, la question. La question, c'est puisque j'ai vu monsieur Kilangalanga, j'ai vu sur internet ou je ne sais pas où, et je croyais que vous allez le confirmer ici, puisque j'étais tellement furieux. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite, c'est l'ordre de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya Habitassi l'avenue Aviateur numéro 1, qui se trouve avec l'adresse de M. Jamal. Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant un faux, ce qui est une bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de signature de ma fille, adresse, il n'y a plus d'adresse de la fille. Et je voulais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement, quand un conservateur dit devant le tribunal, quelle est la question, s'il vous plaît? Oui, je voulais lui poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posiez ce que vous avez dit, c'est la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des parcelles. La question est la suivante. Attendez d'abord. Oui. Mais qui est allé appeler Soraya? C'est vous, non? C'est vous, Soraya? Oh. Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir, mais avant que... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais dire votre honneur. Que vous... Je termine avec la question au conservateur et puis comme Soraya est là... Je vous pose un peu que vous lui posez, c'est ce que j'ai dit. Je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui reposiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale, peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration, sans procuration qui n'a notarié? La question a été posée, il a répondu, et vous avez acté sa réponse. Que ça soit acté. Non, la question était... Attendez, comme... Non, madame, je voudrais évoluer, comme Soraya est là. Qu'on évolue, s'il vous plaît. Merci, le Seigneur. Bien, Soraya, passez ici. Passez là. Vous vous appelez exactement comment? Piana Soraya. Pardon? Ou Kiana Soraya. Vous êtes née... Je suis née à Kinshasa, en Galima. Et quelle date? Le 12 avril 1997. Vous êtes fille de? Fille de Jean Bedel Piana Tituka et de Amida Jatur Kaméré. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. C'est quel territoire? Comment il faut pour vous? C'est normal. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefou. Moutefou. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, hein. Louvungula. Très bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement, donner votre adresse là-bas, déclinez votre adresse. Bien.
mademoiselle Soraya est parent au prévenu Caméré. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Caméré. Eh bien, nous allons. Le tribunal va trop vite. Avez-vous été informé d'une cession? Non. D'une cession immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord, Jamal? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais vu. Jamais? Jamais. Et pourtant, il vous aurait fait une cession à laquelle vous avez été représenté par, par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une cession faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro ou une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes oui, à Kin? Oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont éclaté en justice. Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas. J'ai jamais entendu. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé. Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez. Merci pour la question. Je crois que la question a été déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya. C'est évident. Comme le conservateur est encore là, ouais. Est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur et oui. Pour me permettre oui. De revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document... Dans les documents qu'on vous a amenés pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? C'est-à-dire qu'on a repris l'identité complète de ma oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas. Mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire. Tu lui avais donné l'identité complète de Soraya. Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre, oui. Le titre établi par le conservateur, il a mis l'identité. En dehors du fait que j'avais demandé à monsieur Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom. Je vous ai dit, monsieur le président, oui, mais... je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré. Posez-vous la question, il est là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé. Et c'est comme ça que j'avais dit à M. Jamal. Il m'avait dit, non, toi, reviens, parce que pour ta voix, c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je mette ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Mpiana, et je suis parti. Tout de suite. Okay. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense qu'il a été clair. Primo, le conservateur ne connaît pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir des titres, soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro,
qui question. Lui-même, et vous venez de suivre, il est venu. Ce qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, bah, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je connais même pas ma Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vu, elle est là. Je ne la connais pas. Mais c'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... L'État va apprécier. L'État appréciera de toutes les façons. Monsieur Pompon, vous avez encore... Non, je suis apaisé. D'accord. Romain Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens. Merci. On confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. On va... Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, l'État appréciera. Merci. Merci beaucoup. Parti civil, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président américain. Monsieur le président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y, après vous, on ira à la défense pour les questions. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie d'Ongaliema, c'est bien la nommée Bazaluenzi Monique. Oui, le conservateur. Merci beaucoup, président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumi, la question de savoir si lui, Changaloumi, est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro, est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec madame Monique? Oui. Il reconnaît la voix. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet. Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain du Djamal. Mais quand vous voulez mes explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique-là et moi, en dehors de M. Djamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Djamal, elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi, qui ne cadre pas avec Djamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Vous avez répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Djamal. Madame Baza Monique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Djamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumi et que le prix a été payé par Djamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Djamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Djamal peut nous dire, c'est que cette transaction était une vente ou une donation est faite à qui? Oui, monsieur Djamal. L'avocat de la République a dit également les déclarations de madame Bane. Mais ces documents ne se trouvent pas en dossier. On ne doit pas continuer ces procès par des surprises. Par des surprises. Les instruits. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit, il y a une instruction. Le bâtonnier national Mbouné, le temps l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete.
on lui donne un cachet. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration. Ou alors, cette pièce n'est pas au dossier. Non, on ne sait pas. Il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, c'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition, non, il doit regarder les côtes. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merci. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. Observation. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais ne me confondez. Vous permettez qu'on réponde à votre question, s'il vous plaît. Attendez, qu'on termine d'abord. Oui, qu'on termine d'abord. Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces détenues par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Parce que ça doit être communiqué 3 jours cette avant. Cette observation est pertinente, maître. Oui. Nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur le conservateur. Oui. Non, mais monsieur le Président, vous m'avez accordé la parole. Ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole. ...comme ils répondent. Et nous avions la parole pour des questions, confrères. Vous ne pouvez pas vous interposer. Non, je ne comprends pas le problème avant. Question, on va parler si cool. Et je me dis si Bamo, mais Bamo va dire non, t'as ouais, que Bazaki n'a pas de document. C'est quoi Bini Mabé, parti ceux de la République. Normalement, au courant de la évidence, il faut Bamou, il faut Bamou, il faut Bamou, il faut Bamou, il faut Bamou. That's what they're trying to fight now. Combat préparé, Bamou. On peut pas le préparer. Maintenant, ils ont réunissé les. Bon, catch up dans monde, dans la salle après droite. Mais c'est quoi? Il y a des explications dans la vie. Peut-être que tu as un dossier. Et quoi dans un dossier pour la mort? Pour Soraya, elle a mentionné qu'il y a un réseau sur Soraya. Elle était sur la connexion à Bissopé. Je trouve que ça va finir sur la mort de Sonia. Sur la mort de Sonia. C'est bon, Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Vous l'avez dit? Je dis qu'une donation, c'est une donation. Une vente. C'était monsieur. Pas une vente. Non, non, ça c'est. Elle lui rendre beaucoup de services. Okay. Lui, il a acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 dollars, je pense. Okay. Voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur le Président. Est-ce que monsieur Chamalou ne peut réagir à ce que dit monsieur Jamal? Parce que tantôt il a dit avoir acheté. Réaction, M. Chamalou. Merci, M. le Président. Puisque j'ai avec moi ici mon acte de vente, que dire de plus? Quant à ce. Merci. Vous avez un acte de vente avec qui? Vous pouvez produire? Oui. Vous pouvez donner un procureur et. Venez une copie, vous voyez. Merci beaucoup. Nous allons rapidement. De savoir si vous avez encore des questions à ce sujet. Oui, monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, ma question à mademoiselle Soraya. Oui. Lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds, bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, mademoiselle Soraya. J'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de M. Jamal ou d'une quelconque personne. J'étais surprise. Oui, j'étais étonnée parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok.
Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère. Je lui ai montré le tweet qui le disait. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Merci, Monsieur le Président. Merci. Peut-être une dernière question à Monsieur Massaro, à Monsieur Changaloumi. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. Donc, c'était une prise fortuite au palais de la Nation, si je m'abuse. Peut-être que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le greffier vienne. Avec M. Jamal et deux autres personnes. Regardez la photo. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas? En bas, oui. Et celle qui est en haut, là, c'est... Ça, je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne connais pas. Je connais la deuxième photo, là. Vous connaissez seulement l'image? L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors? En dehors, et à la sortie en plus. Okay. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer, c'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier, moi je reviens d'autres choses. Alors comment vous réagissez par rapport à cette première photo qu'on vous montre avec M. Jamal, apparemment au bureau, hein, ou dans la maison, je ne sais pas. Ça, c'est au bureau. Comment vous réagissez? Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup d'œil sur les photos dont vous. Je vote. Où est la maison ici où est Massaro avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence. En dehors de la présidence. Merci. Vous avez raison. Avant-dernière question à M. Chamalou et M. le président. Oui. Il vous a dit tout à l'heure que il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nyangwe au prix de 320 000 dollars américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui sont passées. C'est ma vie privée. Merci. Ok. Je vais répondre. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée. Il peut répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur... À partir de quel moment ils ont commencé... La période à partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé avec Jamal? Pour la session, non? Pour la mutation, tout ça. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je me répète. Moi, j'étais venu avec le conservateur chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents, parce que selon Jamal, lui-même, il n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi, j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question, c'est la période. Peut-il dire... Je ne me rappelle pas de la période, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates au dossier, vous allez... Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Monsieur le Président. Oui, maître. Merci beaucoup. Vous avez quelques questions et quelques témoins. Nous revenons sur une question, parce que le ministère public a posé une question... Oui, au témoin. Très bien. Il a posé la question à M. Kilalala, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya Mpia. Il a dit oui. Et j'ai ici avec moi le fameux certificat, du reste annulé, comme lui-même l'a dit. Ce certificat avait été annulé. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. J'ai voulu. Attendez.
une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a émis, il a signé un contrat. C'est un contrat. Attendez. Laissez-moi parler, monsieur le président. Je voudrais vous éclairer. Non, vous ne pouvez pas partir des fonds. Mais dans le dossier, il n'y a pas le contrat. On ne parle pas du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a. Attendez. Vous savez, vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne tire pas de conclusions. Je vous ai. Monsieur le président, nous sommes tous dans le dossier. Oui. Nous avons exploré le dossier. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non. Mais monsieur le président, pour nous compléter, vous nous complétons, monsieur. Je retire, laissez-moi avancer, monsieur le président. À chaque fois, vous nous interrompez. Pas la partie civile, c'est le tribunal qui accorde la parole. Merci et qui je vais. C'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir, c'est le tribunal qui conduit les débats, parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal qui doit être éclairée. Donc c'est lui qui conduit les débats. Alors, je peux évoluer? Vous pouvez maintenant évoluer, vous pouvez poser la question nette. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Madame Soraya. On dit numéro 1 avenue des Aviateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Djamal devant le DPJ à Lumaya, l'adresse là, avenue des Aviateurs numéro 1, est attribuée à Djamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans le certificat. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, ils les ont obtenues où? De Mme Soraya, de Massao. Ce sont des informations erronées. Du moment que nous savons que pour établir des fiches, il y a une fiche qu'on donne. Qu'il vous réponde. Merci. Monsieur le conservateur, oui, répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation. C'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez me dire. Comment est-ce que vous l'avez annulé? Dans quelles circonstances? Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je le répète encore, monsieur le président, je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette république et je pouvais aussi rester comme ça dans les bureaux, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. C'est lui qui a donné les noms. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux imaginer pour quel intérêt établir le titre au nom de Soraya et inviter? Pour quel intérêt? Ça, c'est un. Et de deux, je vais revenir pour le certificat. Je pense que j'espère. Vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments. Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour le certificat, je me répète encore pour le président. Mais c'est ça que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer. Même nous dans la tête, on pensait que Soraya, c'est aussi un opérateur économique, la fille de Djamal, tout comme ça. Même nous, on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos, c'est alors qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique, on a annulé les certificats pour rétablir Djamal. Dans sa superficie de 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Djamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a tiré. Oui, Daniel, vous voulez dire placer, non? Merci, monsieur le président. Je continue à m'étonner de voir que malgré que les conservateurs avaient juré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas
le jour de la naissance de Souraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle, pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Souraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas assumées. Merci. Oui, maître. Oui, monsieur le Président. J'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kinangalanga. Et il dit que la demande de M. Djamal s'est faite à son bureau. Mais ici, il dit tout à fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Djamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger et tout doit se retrouver dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau du Djamal. Merci. C'est pas dans le bureau du Djamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Kamere. Qu'on fasse venir Madame Chatir. Merci pour votre collaboration. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je voudrais qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui, oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais juste qu'on m'acquise réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, oui, madame, vous pouvez juste acquiser réception. Acquiser réception. Non, sur votre acquis. Vous avez une... Et ça, vous mettez au dossier. Merci. On a un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Faites la comparution de Madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kamere. Kamere. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa. Le 6 novembre 1976, mariée. Attendez. Vous êtes la fille de... Chatur Chaboudine Ibrahim. Décédé. Et d'où?
Elisabeth Ndendevangu, décédée. Décédée de Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis le Rwanda, je ne sais pas dans le secteur. Ngoudi, je pense. Secteur de Ngoudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, si, une fois, mais bon. Vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes mariée? Mariée, oui. Capital Caméré. Ou à Kanini, ou à Kindi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Merci. Madame est épouse du prévenu Caméré. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Donc, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Enfin, je le vois là. Ici, la même. Ouais. Jamais rencontré auparavant? Non, non, non. Pendant le procès avec mon mari à la télé. Mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Et tout le monde, demande, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, monsieur le président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Donc, qu'elle n'a pas en tête. Merci, monsieur le président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de... Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Vous pouvez dire à votre tribunal, monsieur le président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Ou c'est quelles activités que vous... Quelles activités commerciales, principalement, que vous exercez? Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis. Ok. Merci, oui. Monsieur le Président. Les pièces du dossier auquel la partie civile a eu égard renseignent que madame a plusieurs comptes bancaires, dont deux comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt trois à la RAO Bank. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Pour confirmer également votre tribunal, elle dispose d'un compte à Afriland Bank.
Et vous disposez un compte à filer une banque. Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, monsieur le président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mingui. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait les ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place. Des fois, elle va faire mes containers à Dubaï, en Chine. Voilà. Elle travaille vraiment avec moi. Okay. Merci, monsieur le président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à l'unité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital, quand il y a une fête, hein, mais souvent, c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, monsieur le président. Le compte de madame Chatur ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril près $1 million américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de $821 000. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Et madame? Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris? Pas du tout. Oui, il a parlé du mois d'avril, $1 million. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logé à l'arrêt aux banques est mouvementé à près $1 million américains. Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte réel banque indique un montant en crédit de 821 468 $américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ses activités commerciales? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir les documents devant mes yeux, ça devra vous s'il vous plaît. Vous pouvez mettre à sa disposition ces documents qui sont de celui-ci. Prenez-les, vous plaît. Oui. Il est dit ceci que au cours de l'année 2019, toute l'année. Toute l'année. Ah d'accord, là c'est plus clair. Okay. Vous aurez reçu sur votre compte près de... J'aurais reçu. Oui. De qui? Votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Serait crédité de plus $1 million. Non, monsieur. Et que à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un solde de créditeur de 821 000 $américains. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous n'assistez pas? Non, je n'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre. Non, mais j'ai fait mon travail. Maître, qu'est-ce que c'est? J'ai fait mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle épouse un autre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des préventions. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec le préventif. Maître, s'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Et moi, si ça n'a rien à voir avec
les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Et c'est là. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait. M'avait légèrement compliqué. Tout à fait. Ben là, je comprends que monsieur parle de l'exercice. De l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Rabobank Banque, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander le mobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est marié au mois de février, le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis, ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussières. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne le détail. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mendy, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'essayais de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février, j'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, après, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. Okay. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est l'argent qui provient de vos activités. De mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit de vraiment de quelqu'un, soit mais j'ai que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, ou elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Mais j'ai tous les documents, non, que je pourrais le produire. Ça va, merci. Merci. Oui. Merci, monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019,
Il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui, c'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 $américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Oui. Si c'est au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça, c'est clair, on les dépose progressivement. Okay. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on s'élance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. Ça... L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, merci. Madame nous a dit que Ming et Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa. Mais si elle a limité. Elle a une adresse, elle a dit, elle a une adresse, elle est limitée. Elle a donné d'abord une adresse de Limba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Nguindou. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée. Est-ce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là? Oui, madame. Madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, on trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée, elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je suis pas là pour répondre sur ces questions-là. Mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriétés au nom de monsieur Caméré, de madame Chature, de Gaï Dampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner le prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïd Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là. Parce que ma fille, Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année. Elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là. J'ai acheté quelque chose pour elle.
pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser. Je vais lui apprendre comment on construit. Progressivement, on peut prendre 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal. Et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Camiré. Je vous remercie, madame, pour vos réponses. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à madame? Si ce n'est pas le cas, madame, monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Pour votre coopération. Vous-même, moi de même. Vous rentrez. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre l'audience pour mettre Maintenant, vous pouvez plutôt avoir votre réaction éventuellement sur le document que venait de lui faire parvenir le gouverneur de la Banque centrale. Parce que c'est un document. Les documents sont là, monsieur le Président. Oui, nous avons merci au dossier. Toutes les parties à notre connaissance, en commençant par l'organe de la loi, pourraient avoir une brève réaction. Et avant qu'on... Oui, monsieur le procureur. Oui, merci beaucoup. Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans les documents que la Banque centrale a transmis au tribunal. Il s'agit d'une licence d'importation d'une valeur de 12 600 000 dollars américains pour 1 500 maisons, avec le détail sur le prix de terre de chaque type de maison qui a été importé. J'ai constaté que sur les 12 millions 600, on a transféré que 7 800 d'après les informations qui sont arrivées à la Banque centrale. Donc c'était juste pour réconforter la position qu'on avait avant. Merci. Malheureusement, avant même que les documents arrivent, M. Jamal s'était ravisé pour dire que la licence que j'avais présentée, c'est celle-là que lui avait souscrite. Merci. Merci. Partie civile. Prenez au dossier. Monsieur le Président. Au dossier. Madame, prenez à cette pièce conforte la partie civile dans laquelle croit depuis le début. Mettez au dossier, mettez pour la goutte, mettez à ce dossier. Elle a relevé que le montant de la licence qui a été souscrite, ce montant-là n'a pas été entièrement versé par l'importateur, c'est-à-dire la société Samido. Les conséquences seront tirées le moment venu. Merci. Est-ce que ça concerne Jamal? Oui. Votre honneur, je crois que nous avions tous suivi le gouverneur de la banque. Le gouverneur a énuméré une série de licences. Ça, c'est de 1. De 2, le gouverneur n'a pas nié la possibilité qu'un importateur assure. On ne revient pas sur les dépositions du gouverneur. Votre honneur. Le tribunal voudrait avoir votre réaction sur les documents que le gouverneur a appuyé de ces déclarations. Venez de votre honneur, laissez-nous le choix évoluer, s'il vous plaît. Non, je voudrais avoir votre réaction uniquement sur le... Parce que je suis sur le document, sur votre document. Je suis sur le document. Oui. J'ai posé la première prémisse sur l'énumération faite par le gouverneur, notamment des licences d'importation. Deuxième prémisse, j'ai dit, le gouverneur a dit qu'un importateur, pour équilibrer le marché, peut assurer l'importation partant des devises reçues, en RDC ici, par d'autres comptes. Voilà pourquoi votre honneur, nous disons que le procureur n'a pas à s'empresser. Parce que parmi ces licences, notamment celle-ci, n'empêche à ce que d'autres paiements suivent par d'autres comptes dont dispose M. Jamal. C'est ça la question à laquelle est la République. Le ministère public doit répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un paiement en partie que la licence n'a pas sa raison d'être.
et nous disons votre nom que cette licence a encore sa validité jusqu'au mois d'octobre 2020. Bien, merci. J'ai dit. Merci. Le tribunal va suspendre l'audience pour 15 minutes. Non. On suspend l'audience pour... On suspend, s'il vous plaît. On suspend l'audience pour 15 minutes. Nous allons reprendre avec l'audition des témoins. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Chers téléspectateurs, le juge président vient de suspendre l'audience pour 15 minutes. Et juste après, nous allons répondre pour assister à la comparution des autres cités, témoins et renseignants également. Ce qu'il faut retenir, juste après le gouverneur de la Banque centrale et le ministre, l'ancien ministre des Finances, Henri Ave Moulang, les témoins qui ont pu comparaître par la suite faisaient partie de la coordination. La coordination, une cellule au sein du programme de 100 jours, coordonnée par Nicolas Kazadi, et qui, d'une manière verbale, a été nommée. C'est ce qu'il a dit devant le tribunal. Et cette commission ne faisait pas partie, selon ses propos, dans la gestion même des finances de ces projets. Et vient ensuite le ministre actuel de l'enseignement supérieur et universitaire, alors ministre de l'urbanisme, ayant dans ses attributions l'urbanisme et habitat, Thomas Loaka, qui a également renseigné les tribunaux sur son rôle dans l'exécution de ces projets en ce qui concerne l'érection des maisons préfabriquées au bénéfice de l'armée. Et par la suite, cela, nous retraçons tout ce qui s'est passé avant la suspension de l'audience. Katanga Kainda, conservateur des titres immobiliers, était également devant les tribunaux. Celui-ci reconnaît l'acte de cession, mais c'est un acte qui a été posé par son prédécesseur, qui est également passé devant les tribunaux. Il s'agit du conservateur des titres immobiliers Kilangalanga Valentin. Et là-dessus, on est resté pendant plus ou moins une heure pour en savoir un peu plus. Le juge, la partie civile, notamment le ministère public, y compris la défense, ont eu à poser des questions d'éclairage pour en savoir un peu plus. Le ministre des Affaires foncières, Moulin de Sakoumbi, également, était devant les tribunaux. Et puis, M. Changaloumé Daniel, dit Massaro, lui également bénéficiaire d'une session gratuite de Jamal, a pu présenter ses moyens devant les tribunaux. Mademoiselle Soraya, citée également dans cette affaire, qui aurait bénéficié de la dite session, n'a pas reconnu les documents et elle dit ne pas être informée de tout ce qui s'est passé. Avant de conclure, Madame Chature également s'est expliquée sur le mouvement de compte constaté. Et nous revenons tout à l'heure, après les 15 minutes, telles que annoncées par le juge président pour la suite de ces procès. Ne quittez pas vos fauteuils, je sais que vous êtes des millions à nous suivre. Nous revenons tout à l'heure pour assister à la comparution des autres témoins et renseignants.
Ils ont continué pour nous. Gracia. Comme. Tu n'es que mes bailleurs copier que photo moi non là. Can you log me out of Daddy's channel quickly? Showing them other pictures and this and that. Ma, you did that! Can you stop it, please? Why?